Alors, premier jour, bah là je suis dans ma chambre. Je vous montre vite fait. Je vais filmer avec la cam. Pour les questions que ce soit plus pratique, quoi. Et donc, bon, pour demain, j'aurai une bouteille d'eau, un sac de couchage et un oreiller. Voilà, donc je vais profiter de ma nuit, puis à demain. Alors là, je suis juste au-dessus de ma chambre. Donc ça va, la pièce, elle ressemble un peu à ma chambre. Il y a juste une porte en plus, une double porte. Elle est là. Je sais pas si on voit. Et puis les plafonds sont un peu plus bas, je trouve. Mais ça va, ça. J'ai trouvé un carton, donc j'ai mis mon sac sur le carton, histoire que ce soit pas trop dégueu. Mais ça va, je me sens pas trop ailleurs. Il est 1h05. Il me reste que 22 minutes de batterie pour le Mac. Donc après, je vais me retrouver dans le noir total. Ça va être horrible. Je m'ennuie. J'ai pas trop envie de bosser. Donc je sais pas. J'espère que je vais m'endormir vite. Voilà. Bon allez, bonne nuit, à demain. Alors, troisième nuit, là je suis au restaurant en bas, au rez-de-chaussée. Là, c'est le restaurant de ma mère. Il est 1h30. Donc, je vais préparer mon lit. Le problème, c'est que normalement, mon lit, il est à la place du congélateur qui est là. Et là, il y a les chaises de terrasse. Ouais, je vais enlever les chaises et puis je vais installer mon lit en dessous. Là, les cheveux, ça risque d'être marrant parce qu'il y a encore plein de gens dans la rue. J'ai un peu l'impression d'être un gamin qui se cache sous les étables. Je crois que c'est la chambre la plus marrante pour le moment. Après, c'est sûr, j'aimerais pas dormir là tous les jours. Donc j'avoue, il y a plus confortable là, parce que le carrelage, j'ai quand même bien mal, quoi. Heureusement, j'ai le net. Mais bon, il y a le bruit des frigos, du congèle, et puis les gens dehors. J'espère que je vais réussir à dormir quand même. Mais bon, c'est quand même moins pire que hier, quoi. Là, on voit que dalle. Il fait nuit encore, donc là je suis au troisième. C'est l'appart qui est en travaux, donc c'est vraiment horrible. Il n'y a pas d'électricité. Je viens de rentrer du boulot, il est minuit 43. C'est un peu l'horreur, quoi. Là, j'en ai un peu marre. En plus, c'est dégueulasse. Il y a des plâtres partout. Là, je rentre du boulot, donc le problème c'est que j'ai pas eu le temps de préparer la chambre. Donc là, c'est un peu glauque. Je sais pas si on voit. On voit rien du tout. Alors, j'ai un pot de peinture à côté de ma tête. Et puis là, il y a plein de trucs. À demain. Alors là, on est au dernier jour, je suis dans la cave. Donc ça va, c'est bien éclairé quand même, mais bon. Donc la chambre, elle se situe là. Il est 23h, j'ai trouvé un interrupteur avec une lumière noire, donc c'est cool. Mais on voit que dalle quoi. L'interrupteur il est super loin.
On voit même pas la porte d'ici. Puis ça pue. Et c'est vraiment humide, quoi. Et puis le robinet à côté fait du bruit. Et puis j'entends les égouts, quoi. Donc c'est un peu la galère, quoi. Donc j'espère que je vais tenir.